En février dernier, la Turquie et la Syrie étaient frappées par de puissants séismes, faisant plus de 50 000 morts, 100 000 blessés et plusieurs millions de déplacés. Où en est-on dans les deux pays 5 mois après la catastrophe? We passed through drama, through catastrophic images that probably everybody has seen, to rebuilding. Selon l'UNICEF, 4 millions d'enfants ont encore besoin d'aide humanitaire en Turquie. Plus d'un million d'entre eux vivent dans des abris provisoires, parfois sans accès à l'eau potable. Les besoins humanitaires sont particulièrement importants dans les zones reculées. L'aide psychologique est également primordiale pour de nombreuses personnes traumatisées. So we have very good partners and also people specialized with trauma derived from earthquake. Luckily in Turkey, there is the capacity. There is as probably in other countries. La situation est particulièrement alarmante dans le nord-ouest de la Syrie, tenu en partie par les rebelles. Des camps de déplacés ont été touchés, certains blessés attendent toujours d'être soignés. We don't have this kind of support that every family maybe needs to overcome from this trauma, or they need more specialized people to help them. Les volontaires des casques blancs s'emploient à aider les personnes touchées et à déblayer les décombres. Selon l'ONG humanitaire, les tensions dans la région entravent les efforts des secours. If we can make them go back to their houses, helping them not to stay in the camps, this is the urgent need. Quelles conséquences aux Pays-Bas après la chute du gouvernement de coalition de Mark Rutte? Le Premier ministre de centre-droit s'est entretenu avec le roi Willem Alexander samedi, au lendemain de l'annonce de sa démission. Il dirigera toutefois un gouvernement intérimaire jusqu'aux élections législatives anticipées qui n'auront pas lieu avant mi-novembre. À l'origine de la discorde, la question de la politique migratoire du pays. Face à l'afflux de demandeurs d'asile, Mark Rutte avait proposé de limiter à 200 le quota mensuel d'enfants autorisés à rejoindre leurs parents réfugiés aux Pays-Bas. Deux des quatre partis au pouvoir ont catégoriquement refusé, le D66 de centre-gauche et le Parti démocrate chrétien, Christianunie. Ces derniers mois, plusieurs scandales liés au centre d'accueil de migrants ont éclaté aux Pays-Bas. Manque de place, réfugiés forcés de dormir dans la rue et décès d'un bébé de 3 mois dans l'un des établissements. Les prochaines élections s'annoncent houleuses et clivantes autour du thème de l'immigration, mais aussi du coût de la vie et de la colère du monde agricole. Mark Rutte n'exclut pas de briguer un cinquième mandat, mais la formation d'un nouveau gouvernement ne sera pas simple. Entre adaptation au changement climatique et préparation des Jeux Olympiques de 2024, Paris est en chantier cet été. Au détriment des automobilistes pour qui circuler dans la capitale française devient de plus en plus compliqué. D'abord, en ce moment, il y a beaucoup de travaux dans Paris. Ils ont lancé beaucoup de chantiers en même temps dans tous les endroits, enfin dans tous les arrondissements, ce qui fait que la circulation est très très difficile. Quand on est sur des kilomètres, on a par exemple 20 minutes pour faire 2 kilomètres. Et ça va, à mon avis, s'amplifier de plus en plus. Les touristes regrettent également de devoir visiter la ville, considérée par certains comme la plus belle au monde, au milieu des travaux. It's disappointing that it's covered up in advertisement and you don't get the full view. Yeah, and you come from all over the world to visit this city. I think you're getting ready to showcase more of Paris. Dans le cadre de son plan climat, la mairie de Paris s'est lancée dans l'isolation des bâtiments publics, la création de pistes cyclables ou encore la végétalisation des cours d'école. En raison de l'accueil des Jeux Olympiques, tous les travaux de voirie et de réseau seront gelés du 15 juin au 15 septembre 2024. Il ne faut donc pas perdre de temps.